rentrer dans une nouvelle civilisation extraordinaire, puisque 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950. Donc dans ce nouveau monde, c'est l'art et la science mélangés. Et justement, Mylène, c'est ça. Elle arrive à faire en même temps une créativité artistique avec ses dessins et en même temps, d'une manière technologique, elle fait du béton qui est l'objet le plus sinistre qui soit. Et ça devient poétique. Alors vous caressez le béton, il vous entend tout à coup la mer, le battement du cœur. Enfin, c'est très, très, très art et science, et c'est très, très intelligent. Ce qui me passionne, moi, c'est le futur et je trouve que le fait d'avoir tellement bien mélangé la technologie, la création, vous entendez le bruit de la mer là, alors qu'on caresse un morceau de béton, ça me touche beaucoup parce que c'est très intelligent. Et puis c'est le futur, c'est l'avenir. Ben, je dis ma chérie, tu es une artiste formidable, tu es une cosmonaute, tu es en train de montrer le futur, tu fais une vidéo où on voit passer des anges, tu vois des plumes qui tombent, enfin tu passes. C'est la poésie du futur.